Bonjour, je suis aujourd'hui avec Delphine de DS Relooking. Alors pour égayer un petit peu votre garde-robe, Delphine va vous montrer comment réchauffer les couleurs sombres. Je vais vous expliquer quelques règles simples pour dynamiser une tenue dans certaines associations de couleurs. Alors, tout d'abord, quelques règles simples. Ne jamais porter plus de 3 couleurs dans une silhouette et privilégier les couleurs flashy pour le haut et les couleurs sombres et mates pour le bas. Pourquoi? Car on souhaite principalement apporter la lumière près du visage. Voici quelques règles d'association simples. Pour réchauffer des couleurs classiques et assez sombres, on va utiliser des couleurs qui contrastent. Par exemple, pour réchauffer le marron, on peut porter du orange. Bien sûr, on n'est pas obligé d'avoir un orange si vif et lumineux. Le pastel pourrait très bien convenir. Ensuite, pour réchauffer un bleu marine ou ici un bleu roi, on peut utiliser des couleurs ou même des accessoires, foulards ou bijoux, de couleur argent. Pour réchauffer ensuite une couleur très classique et très facilement portable comme le noir, utilisez une couleur extrêmement chaude comme le doré puisqu'il y a de l'or à l'intérieur. Et enfin, pour réchauffer une couleur plutôt terne comme le gris, qu'il soit anthracite ou moyen, vous pouvez porter des hauts ou même des accessoires dans les couleurs saumon, pastel ou intense ou des turquoises. Si vous souhaitez faire un rappel de couleur dans votre tenue vestimentaire, évitez de le faire lorsqu'il s'agit de couleurs flashy. Exemple, une chaussure rouge avec un sac ou une pochette rouge, l'ensemble fait un petit peu grossier. Pour avoir plus de classe, préférez des tons plutôt simples et assez sobres, comme par exemple le beige ou le top. Si toutefois vous appréciez particulièrement les couleurs flashy et lumineuses, vous pouvez tout à fait emporter, mais uniquement par petites touches. Alors, comment équilibrer cela? Tout simplement, des petits accessoires ou des petites pièces de couleurs flashy et des grosses pièces comme par exemple les manteaux, les vestes ou les pantalons dans des couleurs vraiment plus sobres comme le noir ou le gris.